Hello les Poképotes, c'est Pika Silver. Comment c'est la Pika Team? Eh ben voilà, regardez la Pika Team. En avant-première, ils ont fuité, ils ont commencé à les vendre. Les tripacks Tempête Argentée avec Manaphy, voilà, avec la carte holo. Et le tripack Togetic. Voilà, avec ben, sur ces tripacks, il me les a réservés. Parce qu'il m'avait appelé dans la journée, il m'avait demandé qu'est-ce qu'il me réservait des displays, tout ça. Je lui ai dit ben, deux tripacks. Et ben c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes boosters avec Lugia, Goupix et Regidraco. Et bon ben voilà, c'est les mêmes. Et je vous cache pas que j'ai ouvert quatre boosters avec mes enfants ce soir. Donc je vais vous montrer ce qu'on a eu dans les quatre boosters. Ok. Alors, on était content de découvrir cette nouvelle série avec un Hippomade. En reverse, Eliatron en reverse, en holographique, on a eu Pierre Scellé Terrestre avec les nouvelles holographiques. En fait, c'est une carte, on dirait la moitié de la carte V-Star, plus l'holographique, donc c'est une espèce de combo. Et voilà, un Gardevoir, la TG Gardevoir, elle est magnifique, c'est la TG 05. La TG 05 sur TG 30. Ouais, l'illustration, elle est top. Les effets de lumière, ils sont top. Toujours dans les sleeves que je vous ai présentées dans l'autre vidéo. Ok, donc voilà. Voilà la petite ouverture. Bon, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas de dinguerie sur 4 boosters, mais c'était déjà super à découvrir en avant-première. Et maintenant, on va procéder à l'ouverture des tripacks. Donc, je vais faire le tri. On va ouvrir les tripacks. Je vais mettre les boosters. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit combat. On va faire un petit combat avec le tripack. Alors, ça c'est le tripack Togetic contre le tripack Manaphy. Je vous présente la carte. Je vous présente la carte promo. Voilà, toujours la particularité des cartes promo. Donc voilà, c'est une holographique, mais en plus la particularité des promos, c'est que vous voyez toutes les petits points. Il y a différents. Voilà, là on les voit bien à l'écran. Ben voilà, ça c'est les cartes promo. Tandis que les holographiques normales, il y a l'holographisme, mais il n'y a pas ces petits points, ces points qui sont partout, moyens, petits, minuscules, qui brillent sur toute la carte. Voilà, ça c'était la particularité des holographiques promotionnels. Donc voilà, la Nanafi c'est pareil, on va s'ouvrir ça. Je vais vous présenter la carte. Ah ben, espérons que les sleeves ils vont marcher ce soir. Hein. Voilà, qu'on se fasse plaisir. Ah, je vous ai pas présenté le petit jeton. Voilà. Tac. Donc voilà. Hop. Le petit Goupix, le petit Lugia et le Regidraco. Voilà. On dirait qu'ils sont bien usinés, hein, j'ai remarqué. On voit des traits d'usine sur les boosters. Bon, ben vous verrez quand vous en aurez, mais vous voyez, on aperçoit des traits du. Je sais pas, on dirait que c'est passé voilà, sur tout ça. Vous voyez? Vous voyez sur les boosters. Bon. Voilà, on voit des traits. Bon, je sais pas si à l'usine il y a quelque chose qui a changé sur les. Voilà, voilà. Donc, la petite carte Manaphy, elle est nickel. Voilà. Super. Ok. Alors, voilà. Et les trois boosters. Et les deux petits jetons Pikachu qu'on les a eus dans une autre série. Ok. Nickel. Un peu abîmé celui-ci. On voit des rayures. Bon. Ok. Ok. Let's go. Let's go les potos. On va commencer par le tripack Manaphy. Voilà pour l'avant-première de la série Tempête Argentée. Vous savez que ça me tient à cœur parce que bon, bah, moi c'est Pika Silver. Donc j'ai créé la chaîne voilà, Code Noir.
Code noir, ça commence. En fait, j'ai créé la chaîne, bon, il y a longtemps, j'étais même pas au courant qu'ils allaient sortir la chaîne, la série, la dernière série, épée, bouclier, tempête argentée. Donc voilà, ça me tient un peu à cœur, cette série. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez, on s'applique. Voilà, je découvre les cartes. Hein. Bon, j'ai ouvert que 4 boosters tout à l'heure. Kirlia. Ok, j'approche. Comme ça, vous pouvez bien voir les illustrations. Matoufeu. Draco. Mascaïman. Je prends un peu de temps parce que voilà, on n'a pas tous découvert les cartes. Sucroquin. C'est pas aujourd'hui qu'on se la joue à l'américaine. Vorastéri. Oui, Messire. Balbuto avec cette petite illustration en pâte à modeler dans la nature. Nickel. Tarsal en reverse. Et ça sera une holographique. Oh, wow, elle est magnifique. Dracolos en reverse. Waouh. Ben là, ouais, là, je suis content. C'est, franchement, waouh. Mais je savais même pas qu'il faisait un Dracolos en reverse. Ah bah là, je suis surpris de la reverse. Hein. Franchement, waouh, bah les gens vont se mettre à aimer les reverse. Hein, parce que Dracolos en reverse, comme ça, waouh, je suis hype au taquet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous. C'est la première fois que je vois cette carte. Waouh, 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 waouh. Bah, je vais la sleeve parce que là, c'est Dracolos. Alors là, je tombe des nues. Je tombe littéralement des nues. Un Dracolos en reverse de cette qualité, de cette beauté. Franchement, ça va. Les gens vont kiffer les reverse. Hein. Franchement, waouh, 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 waouh. Incroyable, incroyable. Pour moi, c'est un hit. C'est clair et net. Il n'y a pas de. Pour moi, c'est un hit. Allez, on enchaîne avec le Goopix. Quelle surprise! Parce qu'en fait, j'ai pas été voir les cartes, j'ai pas trop regardé d'ouverture. Donc là, allez, espérons qu'on a une belle TG. Il y a des très très belles cartes sur cette série. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez. Carte les stars. Un Donphan. Roussil, ça sent le Roussil. Lockpin. Fampi. Ouais, génial. Flamayou. Flamiaou. Fureglon. Fennec. Fermite. Ouais, j'adore les nouvelles séries comme ça qui sortent. Un petit tigri. En river, c'est rien derrière parce que c'est un code blanc. Fait l'inferno. Ok. Ok, ok, d'accord. Génial. Ok, on enchaîne avec le dernier booster du coffret Manaphy. Un petit code noir. 1, 2, 3, 4. Allez, 4. Let's go, let's go. Énergie plante, énergie feuille, c'est parti. Serena. Énergie régénérante. Meios. Emolga. Tarhal. Limonde. L'affreux Limonde. Goopix. Stagalmin. Normalement, on arrive sur la reverse. C'est une TG. Ouais, c'est pas une TG, c'est une. Oui, c'est. Ah là 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 là. Je l'ai au bout de la langue. C'est. Ah, allez. Le Girassi radieux, la plus belle des radieuses. Magnifique ouverture. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose, on a quelque chose. 139 sur 195, c'est une ouverture de dingue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, le Lugia V-Star, une dinguerie. Oui, c'est une dinguerie. Le Lugia, on pète le Lugia.
Oui, bon, c'est pas l'alternative, mais c'est une dinguerie. Oh là 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 là, quelle ouverture de dingue. Ben vous, oh oui. Voilà. Ah, dommage que c'était pas avec tout à l'heure avec les enfants, parce que on aurait bien rigolé. Mais là, c'est, ah, je suis content. Allez, let's go les potos, let's go. Avec un girassi radieux, la plus belle des radieuses, et ce magnifique Lugia qu'on va sleeve tout de suite. Ok, un tripack génial, c'est incroyable, un tripack génial. Ah, je suis content. Oui, let's go les potos. Voilà, c'est des ouvertures comme ça qu'on aime. Le Lugia V-Star. Oh, imaginez-vous dans l'autre tripack, on se tape le Lugia alternatif. Oh. Voilà. Ah, j'en tremble un peu, hein. Ah, je suis content. Je sais pas combien elle cote, mais c'est une très très belle carte. Hein. Elle est dans le top 10 de la série, hein, c'est sûr. Voilà, Lugia V-Star. Yes! Ok. Bon, ben. Et puis franchement, oh, le Dracolos. Ah, incroyable. Incroyable. Franchement. Bon, voilà. Le tripack, je suis content. Allez, c'est reparti. On attaque le tripack de Togetic. Là, c'est un match. Franchement, c'est un match de tripack. Hein. Celui-là, on va dire qu'il a 8 longueurs d'avance. Et celui-là, on va essayer de le rattraper. Allez, c'est parti les potos. Allez, let's go! Code noir. Allez, 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 allez. Bon, on va pas s'enflammer quand même, hein, parce qu'on est là pour prendre un peu de temps. C'est les premières ouvertures de booster de la série Tempête Argentée. Peut-être comme mon blaze, c'est Pika Silver, peut-être cette série va me porter bonheur, on sait jamais. Fille en kimono. Lockpin, lockpin, on sait pas. C'est comme vous voulez. Quad rock. Rien à voir à un quad. Hein. C'est. Ok. Barpo. Sonistrel, yes. Stalgamin. Mascaïman. On arrive sur la reverse. Non. Cornèbre. Là, maintenant, on arrive sur la reverse. Ok. Un soporifique. En reverse et derrière. Alors, bah, comme c'est un code noir. Ou une V, et je pense que c'est Lugia. Non, Ammonistar. Ok, bah oui, rien à voir. Ça aurait pu être. Non, c'est pas Lugia, parce que Lugia, c'est pas l'énergie eau. Il vient de l'eau, mais c'est pas une énergie eau. Ammonistar, ok. Très belle V, très très belle V. Jamais vu encore. Je n'avais pas vu dans les quelques ouvertures. Bon, après, je ne me suis pas attardé. Voilà. Yes, ok. Bon, une V. Voilà. Sympa. Génial. Ok. Ah, je suis content, je suis vraiment content de l'ouverture. Vous pouvez pas vous imaginer. Ok, bon. Let's go les potos. Deuxième booster de ce tripack. Par contre, les boosters, ils sont. Ok, code noir. Code noir. 1, 2, 3, 4. Ça s'annonce quand même pas mal, hein. Donc là, on en est sur une V. Ouais, on va dire que c'est l'équivalent du Dracolos holographique. Hein. Ok, allez, c'est parti. J'ai fait les 1, 2, 3, 4. Normalement, oui. Ok, énergie régénérante. Fossile inconnu. Matoufeu. Fennec. Tar'al. Balbuto. Tournegrin. Pardon. On arrive sur la reverse normalement. C'est une TG. Pouh là là, Mélo Creek en TG Full Art. En TG Full Art. L'ouverture de fou. Mais c'est une ouverture de dingue. Regardez comme elle est belle. Mélo Creek V. C'est incroyable. Franchement, on dirait que c'est pas possible. Et derrière. Ah là là, non. Une Full Art. Miss Dibulle, Full Art V, mais c'est dingue. Ouah, le combat, il est serré, mais c'est incroyable. Je sais même pas quel tripack est le meilleur. Oh,
C'est un combat de titan. C'est plus un combat de tripac, c'est un combat de titan. Regardez-moi cette pluie de hit. C'est incroyable. Et franchement, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Je sais même pas quelle carte vous montrer. Voilà. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Franchement, je remercie mon collègue là qui m'a appelé de la boutique et qui m'a réservé ces deux tripacks parce que franchement, je peux lui faire une petite bise. Hein. Franchement, parce que là, Mellow Creek, TG, Full Art, s'il vous plaît. Une Full Art. Miss Dibule. Je fais attention comment je les manipule. Une Full Art, Miss Dibule. Magnifique, dans un état. Elle est parfaite. Voilà, ok. Bon, ben là, c'est. Franchement, bon, mon cœur, il va quand même vers le Lugia. Hein. Mais mon cœur, il va quand même vers le Lugia. Et le Dracolos, et le Jirachi. Mais là, c'est quand même une V. Ouais, et il reste un booster hein, sur le tripack. Donc, j'ai pas eu de chance sur les 4 boosters de l'Arcet que j'ai ouvert, mais sur les tripacks. Et encore, c'est peut-être pas fini. Hein. Là, vous imaginez pas s'il y a une dinguerie là-dedans. Hein. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Incroyable. Allez, let's go. Code blanc. Donc, ça sera pas une alternative, c'est sûr. Allez, ça sera peut-être une belle TG. On va pas en demander trop quand même. Hein. Allez, let's go. Peut-être, hein, peut-être, on sait jamais. Allez, énergie feu. Gladys. Gelée de secours. Oh, pas mal, la gelée de secours. Ok, Serena. La carte Serena en secrète. Rainbow. J'ai vu quelques prix sur eBay. Je crois que c'est une dinguerie. Hein. Je ne sais pas pourquoi la dresseur Serena en full art Rainbow secrète, elle atteint des prix comme ça. Dites-moi-le dans les commentaires si vous savez. Comme ça, vous me donnez aussi des infos. Je vous en donne, vous m'en donnez, on s'échange. N'oubliez pas de vous abonner. Fennec. Mimigal, Tehan, Crapaudo. Ah, ça serait cool qu'on ait une belle TG, mais il ne faut pas non plus en demander trop. Ça sera une reverse rare avec la petite étoile et avec Armaldo. Pff, elle est magnifique. Même la simple reverse rare, même la simple holo reverse rare, elle est magnifique. Génial. Oh. Mais c'est quoi ce délire là? C'est un code blanc. Mais c'est un code blanc. Il ne devrait pas y avoir de reverse. Ouais, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais vous allez voir dans la vidéo, c'est un code blanc. Il aurait pas dû avoir un reverse. La reverse, ça aurait dû être une simple. Le croc horrible. C'est une ouverture incroyable. Regardez-moi ça. Même, elle est magnifique. Hein. Croc horrible. En reverse, qui ne devait pas être là parce que c'est un code blanc. Voilà, ok. Bon, ben écoutez, le combat de titan, voilà, c'est cool. Je suis vraiment très, très content. Voilà, le Lugia V-Star qui tombe. Ok, voilà, le Lugia V-Star qui tombe. Génial. Donc, je vous dis à plus les Poképods. J'ai été super, super content de vous faire découvrir en avant-première cette série Tempête Argentée. Bon, c'est pas totalement en avant-première parce qu'il y a eu quelques vidéos, mais bon, voilà, on fait partie des premiers. N'oubliez pas à vous abonner. On va faire grandir la chaîne. On a plein de projets. On va évoluer. On va améliorer tout ça et avec surtout des vidéos pour vous apprendre à bien collectionner, à bien ranger vos cartes, à connaître tous les détails. Et voilà, donc ça me fait super plaisir. Abonnez-vous. Et à plus les Poképotes, la Pika Team. Ciao, ciao, c'était cool. Super, yes, yes, yes.